Bonjour et bienvenue dans l'enfer. Ben, l'enfer de la nuit, honnêtement. L'enfer de. On essaye de plisser les yeux au maximum pour essayer de distinguer quelque chose. Bref. Alors. La dernière fois, on a fait des choses pas mal. La dernière fois, on a fait exploser la tête d'un cerf. Honnêtement, ça vaut le coup d'œil. C'était pas mal. On lui a mis une belle balle. Et boum. Voilà. Mon Dieu. Donc, la dernière fois, oui, on a tué un cerf, on a chassé un cerf parce qu'on a trouvé un fusil. On a 9 balles dans le fusil, on a encore du 303 à la maison, on doit en avoir une vingtaine de balles, honnêtement. Et on a le revolver aussi. Donc, on a pu faire quelques steaks. On a pu faire quelques steaks qui sont plutôt cool. C'est plutôt cool, du coup, parce qu'on était un peu. On commençait un peu à être. J'ai pas envie de dire que c'était un peu la panique, mais on avait beaucoup de, on a beaucoup de boîtes en fait, et qu'on peut pas vraiment ouvrir. On n'a pas d'ouvre-boîte, on n'a pas de couteau, rien, donc on est obligé de les forcer. Donc on perd énormément de calories, de conserve. Hein. On perd énormément de calories à chaque fois, donc c'est un peu un problème. Alors ce qu'on va faire dans cet épisode, je pense qu'on va donc rentrer à la maison parce qu'on a déjà ça à poser aussi. Ça fait 10-10, 50 ici. On a toutes les conserves, on va les laisser aussi. Ça pèse trop lourd. On va garder la viande sur nous. Enfin, on va garder genre 2 ou 3 steaks, pas plus. Ouais. On a des choses à poser. Donc, on va devoir rentrer. On va devoir rentrer. On va se baisser. Quitter. On va rentrer. On va tout déposer. Hein, on va se vider un peu les poches et tout ça, le sac. Et ce qu'on va faire après. C'est que. Alors, quand vous sortez de la maison où on campe. Attendez, il n'y a pas des loups. Non, ça va. On va prendre un peu ce qu'il y a autour, là, les baies, les champignons et tout ça. Alors, on va peut-être se reposer à l'église, le temps de se réchauffer, on va voir. On va voir ça. Oh. Ok, derrière moi. Oh. Devant moi. Ok, cool. Chier, il y a des baies en plus. Ah, pas grave. On court, on court, on court. Il y a des baies, je voulais récupérer, c'est pas grave. Alors oui, donc quand vous sortez de notre maison, de notre camp, vous allez sur la gauche directement et vous montez là. Donc c'est là que je veux aller moi. Oh, le truc il nous lâche pas. Hein. C'est là que je veux aller, je veux monter parce que ça va nous permettre après de redescendre vers le crash de l'avion. Et là, on va dire que c'est possible d'avoir des bons objets. Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça. Oh, j'aime pas ce temps-là, on voit rien. Genre la neige qui tombe, elle est trop épaisse. C'est pas un loup devant? Non. On va se. Non, on est bon, on est bon, on est bon. Ok, on est bon. Donc, vous voyez, on va faire ça parce que c'est un peu le dernier endroit où il y a des choses intéressantes. Après, il y a un autre passage aussi qu'on aurait pu prendre, mais bon, vu qu'on a beaucoup de kilos sur nous pour rien, on va pas le faire. Mais on aurait pu continuer le long. De notre chemin en fait, arriver au pont, et vous savez, il y a un loup là-bas, non, un ours, pardon. On va voir si on peut pas dormir genre 1 ou 2 heures. J'ai loupé le lit. Ah, ok. Vous vous rappelez, il y a le pont, puis après il y a un ours. Donc je me dis qu'on aurait pu passer par là, parce qu'après on peut retomber où il y a le. Oh, on n'est pas chaud du tout en fait. Attendez. On n'est pas chaud du tout. On peut faire ça. Donc voilà, on pourrait passer par là. Donc du coup, ça irait plus vite et tout ça, et puis on était à côté et tout, etc. etc. Mais le problème, voilà, c'est qu'on est lourd. Donc si jamais on commence à trouver des bons objets un peu lourds, ça va être la galère. Donc je préfère retourner à la maison et le faire correctement. Vous voyez ce que je veux dire? On va le faire correctement. Ok, c'est un peu mieux. Faut qu'on boive. Qu'on mange aussi. Donc voilà, on va faire comme ça.
Et après, ce qu'on pourrait faire, comme j'ai dit, c'est en contrebas de Milton. Mais il n'y a pas grand chose, j'ai envie de dire. Il n'y a pas énormément de choses. Ça devient compliqué en fait après. Parce que c'est vrai qu'on va très vite. Et ça devient compliqué de trouver les bons endroits en fait. Enfin, de continuer à... Oh mon dieu, on voit rien du tout. De continuer à trouver des choses. Donc je pense que Milton est presque fini, honnêtement. Oh mon dieu, je vois rien du tout. C'est horrible la neige comme ça. C'est horrible. Oh, champignon. Très bien. On va prendre des massettes. Faut faire gaffe parce que la dernière fois il y avait des loups sur le pont, enfin au niveau du pont. Celui qui est au-dessus de moi là. Donc faut faire gaffe. On va tracer, on va rentrer dans la maison évidemment. Je tirerais bien en l'air honnêtement. Pour leur faire peur à chaque fois vu qu'on n'a pas vraiment de vue de temps en temps. Mais on n'a pas de munitions illimitées non plus. Je vois rien. Mais bon. Je crois qu'on est bon. Ok, on est bon. Pouh, c'est un peu compliqué hein, niveau visibilité, j'ai envie de dire. C'est un peu compliqué. Alors, on va se mettre devant cette fenêtre, on va poser des choses par terre. Ça, le fusil. La vitrine. Oh, la vitrine est presque pleine. C'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Ah oui, vu qu'on va se déplacer, on va essayer de faire du feu. Donc on va garder ça, la bûche. Ah, attendez. Il faut un peu réfléchir en fait à notre chemin. Alors déjà ça on va en virer une. Parce qu'on va donc monter sur le côté gauche, ça bifurque un peu et tout ça. C'est même un lieu où il y a le lieu du diaporama en fait à faire. Bon là pas encore, hein, c'est pas important. Mais il y a des grottes et tout ça, donc on va sûrement s'arrêter dans les grottes et faire du feu pour faire des tisanes pour se réchauffer en fait facilement. On va sûrement faire ça. Donc du coup, feu égale lumière égale... Ouais. Vous êtes presque, ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Égal couture. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc on va faire comme ça. Ça fait déjà 2 kilos, ouais. On va 20, pas plus. Faut pas exagérer non plus. Après on a les pots à virer aussi. Où je les fais? Non, les pots je les ai déjà fait. Déjà faites? Ouais, ok. Ah oui, les conserves. Les conserves, on va les mettre dans le frigidaire. Même si ça sert strictement à rien, mais... C'est juste pour les ranger. C'est pour éviter, en fait, de mettre des choses au sol, hein, tout simplement. On va prendre de l'eau en plus. 2 kilos. Enfin, 2 kilos de litres. Ça... Qu'est-ce qu'on a d'autre à poser? La lampe, on la garde toujours sur nous, au cas où. On a 2 torches pour faire du feu.
On a des allumettes, on va devoir utiliser des allumettes en carton surtout. On a ça. On n'a pas de récipient. On n'a pas de récipient. Attendez. On n'a pas de récipient. Ok, c'est bon. Voilà, deux récipients, très bien. On a utilisé 0,01. Ben, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut partir. On est à 30 kilos, c'est un peu beaucoup, 30. Ah oui, non, mais la viande, oui, c'est à cause de la viande. Je pense qu'on est bon. Donc, alors on sort, on va sur la gauche, on monte, on s'arrête dans la grotte et tout ça, même peut-être à d'autres grottes. Il y a deux grottes en fait sur le chemin. Il y a une grotte au milieu du chemin, on va dire. Et après la deuxième grotte à l'avion écrasé. Bon, pour ceux qui connaissent pas, vous allez voir. C'est plutôt cool. Par contre, je voudrais bien dormir parce que on se réchauffe pas. On se réchauffe, mais alors pas du tout, quoi. C'est abusé. Ça, c'est parce qu'on a toujours des vêtements pourris. Ah là là, ok, c'est bon. Merde, oh, je vois plus rien déjà. Encore, je le répète, hein, si c'est des bâtiments qu'on connaît comme ça, j'allume pas la lampe. Si c'est des bâtiments qu'on connaît pas et qu'on est là en train d'explorer, j'allume la lampe. Donc, ne vous énervez pas, restez cool. Il y a un truc aussi, j'ai vu que les épisodes en fait sont sortis en avance pour les membres. J'avais sorti genre les 5 premiers épisodes en même temps pour les membres. J'ai dû tous les refaire, tous les rééditer parce que au final la visibilité elle était vraiment pas top. Donc j'ai dû re tout rééditer, augmenter un peu genre les couleurs, les gammas et tout ça. Et j'ai aussi maintenant j'ai fait aussi les rendus en 4K en tout cas pour les 5 premiers épisodes. Allez, on va y aller, on est bon. Pour les 5 premiers épisodes. Parce que en gros le. Mais ça je l'ai mis dans la description, mais bon, vu que j'aime bien parler pour rien dire, donc on va en parler un peu. Le truc c'est que. On va faire comme ça. On va prendre de lapin cru qu'on a mis, comme ça on le fera cuire. Le truc c'est que quand c'est sombre, YouTube gère extrêmement mal en fait. L'encodeur de YouTube gère extrêmement mal les dégradés de noir en fait. Et du coup l'image était pas belle. L'image était pas belle. Donc même en éditant et tout ça, la brillance et tout. Je peux pas trop le faire parce que sinon vous allez avoir un écran qui est très blanc en fait, qui est très lavé, c'est très moche. Et du coup j'ai dû augmenter donc la qualité, j'ai mis en 4K pour tester. On peut prendre ça de là. Et j'avoue que ça marche extrêmement bien du coup. Donc si jamais vous avez une bonne connexion, genre la fibre, essayez de regarder en 4K et honnêtement l'image est vraiment bien. Même quand c'est un peu sombre. Oh mon dieu, t'es sérieux? On a une tempête maintenant? Ah, c'est joli comme ça avec la lune. C'est joli. Donc, ouais, c'est vrai que j'avoue que l'avoir mis en 4K, c'est quand même beaucoup mieux. En plus de l'éditage, évidemment. Rien du tout. Super, merci. J'adore ce jeu. On va devoir se mettre à l'abri. Alors la grotte elle est juste là. Alors ça m'étonnerait que la grotte soit assez chaude, honnêtement. On va voir, mais ça m'étonnerait. Ouh. Du charbon. Ouais, non, on est à l'intérieur là, c'est. Alors moins 9. Est-ce qu'on a encore du charbon que j'aurais pas vu? Ok, alors ça va être l'heure de faire du feu. Alors on va faire comme ça. Très bien. Oh, attendez. C'est là. Très bien.
comme d'habitude. Le coup de la torche. Ça évite d'utiliser des allumettes. Alors on va utiliser... Oh, il y a du charbon juste à gauche, j'ai même pas vu. Donc voilà, à chaque fois que qu'on sort et qu'il fait un peu sombre, honnêtement, mon image, elle est très... Eh merde, ok, d'accord. On va faire ça. Mon image, elle est très nette et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on la, directement, quand on la met sur, sur YouTube, ça devient une sorte un peu de bruit de pixels. Donc ouais, ça marche pas des masses, donc on est obligé d'augmenter un peu la, la qualité. Est-ce qu'on a besoin de mettre un... Non, c'est bon. Donc on va faire ça. Treize minutes, trente-huit minutes. Ok, go. Ok, merci, ça fait plaisir, merci. Mon dieu, ce jeu. Attendez, on va faire de... Ah, je sais pas. 13 minutes. Je sais pas si ça brûle en fait en 30 minutes. Ok, d'accord, super, merci, j'adore ce jeu. C'est bien, hein. Waouh, 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 ok. Ok. Alors on va faire autre chose parce que là on perd du temps, on perd du tissu pour rien. Alors déjà on va en déposer deux à côté du feu. Ah, très bien, on est toujours en positif et on va faire ça. Ah, c'est bien la couture, hein. J'adore la couture. Hein. J'adore la couture. Alors, en temps normal, je vais être honnête, j'arrêterai de les faire. Parce qu'on en a beaucoup, des thés de, des deux sortes, là. Mais c'est vraiment extrêmement simple pour augmenter le... la cuisine. C'est vraiment extrêmement simple pour augmenter la cuisine. Donc, du coup, j'ai envie de dire, autant le faire. Ok, très bien. Donc 30 minutes, ça passe. Quoi? On n'a pas d'eau déjà? On n'a plus d'eau? Sans déconner. Après, plus tard, on a des, on a encore des lapins à prendre. Enfin, on peut attraper des lapins encore. Donc, bon. Faudrait aussi qu'on pense à ça. On a encore 40 minutes. C'est très bien. Faut qu'on fasse le gros manteau, la épée, là, le kawé ou je sais plus, pas quoi. Non, c'est pas un kawé. Oh non, potable 4 minutes. Ça. Veste de ski, 45 minutes. Ok. Attends, c'est combien de temps? 9 minutes. Ah, non, 9 minutes, ça va pas être assez. On va faire comme ça. On n'est pas au max en chaleur, mais on a ça, donc ça va. Ah, je devrais pas les manger. Parce qu'on va, on va boire ça, en fait. Voilà, très bien. Allez, on y va. On y va.
on va refaire le plein de bois. Est-ce qu'il y a des loups? Non, il y a des lapins. Est-ce que ça vaut le coup de tirer des balles pour des lapins? J'ai envie de dire oui, honnêtement, parce que c'est fun. Je veux pas dire, mais on va vraiment chasser le lapin au revolver à un moment. Je vous le dis direct. On va vraiment le faire. Non, il est là-haut, là. Il est où, l'autre? Là, qui était sur la gauche. Là. Très bien. Ok, je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on va y aller. On a un peu un temps de merde, j'ai envie de dire. On a pas un temps de merde. Mais je pense pas que ça influe beaucoup sur le froid, enfin sur notre baisse de température, parce que on a déjà très froid à la base, donc honnêtement. Ok, alors là faut faire gaffe. On risque d'avoir froid. Oh, je suis bête. Mettez un symbole. Un symbole sur l'icône, s'il vous plaît. Ah, voilà, on a récupéré de la chaleur. Très bien. Mettez un symbole. Ça serait bien. Je l'ai dit plusieurs fois, ça. Alors là, c'est possible d'avoir des loups. Quoi ça? Lapin. Et un cerf. Plein de lapins. Alors on va pas trop traîner. J'ai envie de dire. Il y en a plein qui descendent. Si je balance une pierre que j'en touche pas, hein, je vais gueuler. Il est où le vent? Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les lapins. Il est où? Je le vois plus. Ok, il est là. Il y a un lapin devant. Il y a un lapin, lapin. Vas-y. Ok, très bien. Deux balles. Très bien. Je dirais encore une balle et il meurt. Donc on va essayer de l'achever. Bah, après on n'a pas vraiment besoin parce qu'on va pas vraiment le manger. Il est parti où? Il va pas être très loin. On lui a mis deux balles. Hein. Je suis complètement positif qu'on l'a touché deux fois. Bon, on s'en fout. On va bouger. On va bouger. Je l'entends, il est là. Merde, j'ai loupé.
2. C'est bon, il est mort. Aïe 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 aïe. On est bon. On est bon. Ah, on a. Ah, j'ai tiré à côté deux fois, j'aurais pas dû. Ah, chacha. Pas grave, pas grave. Ouh. Ah, je m'en veux. Ça y est, ça y est, ça y est. Fallait pas. Enfin, quand j'ai dit. Fallait le laisser, j'aurais dû le laisser. Voilà. Toujours à vouloir en faire un peu plus. Je prends tout, on fera le tri après. Hein. Y a des boîtes, je crois. Je voudrais bien les casser. Genre ça, là. Là, on est en train de perdre de... pas mal de vie, là. Pas grave, on va la récupérer. On va la récupérer d'une façon ou d'une autre. Oh mon dieu, qu'est-ce que je m'en veux d'avoir loupé deux balles comme un débile. Ça court pas les rues, les balles. Il y a du bois là. Okay. J'ai envie de dire la peau du cerf pourrait être intéressante. La peau du loup pourrait être intéressante. Évidemment, il fait pas assez chaud parce que sinon ce serait trop marrant. Alors vite. Très bien. Très bien, ok. Ouais, on a tiré quoi? 5 balles au moins? Je crois. On va voir le revolver. Je l'ai pas rechargé le revolver, donc on verra. Mais ouais. C'est bon? Non, ça a pas marché. Mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Oh mon dieu, t'es sérieux. C'est pas comme si on mourait de froid. Hein? Je veux pas dire, mais... C'est pas comme si on mourait de froid. Oh là 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 là. Ok, c'est bon. Oh, lucky day. Ouais, alors lucky day, faut pas exagérer non plus. On a 5 heures. Lucky day, faut pas exagérer non plus. Alors, on va faire ça. 15 minutes, fin 12. Ok, parfait. On va le faire à la scie. Très bien. C'est bon. Faut pas que je me loupe là, parce que là on a pas mal de choses. On fait pas mal de choses en même temps. Ok, ça marche. Non, 30 minutes, on va en profiter pour faire ça. Voilà.
Parce que 30 minutes, c'est là c'est 45 minutes, donc on peut réparer et les viandes seront pas brûlées. Voilà, très bien. On a encore 4 heures. On va faire ça. Faut qu'on regarde les lapins qui restent. Compliqué tout ça. Ok, 0 viande. 0, 4. Et 1. Ok, 1. Ok, on n'a pas d'eau, ça marche. Alors, ouais, comme j'ai dit, je les ferai pas tous, mais bon, c'est vrai que ça va nous aider. Là, je suis sûr qu'on doit être. On monte très vite en cuisine. Je suis sûr qu'on monte très vite en cuisine. 18 minutes. On va voir un peu. On est à 2,5 à peu près. Le revolver, on est à 1,5. Enfin 0,5 plutôt. Oui, en parlant de revolver. Ouais, non, 4 balles. Ah, oh, on a tiré que 4 balles. Ah oui, j'en ai mis 2 et après j'en ai loupé 2. Bon. J'aurais bien. Ouais, ouais, on va dire que. Ouais, pour relativiser, on va dire que. On en a tiré une de trop parce qu'on l'a tué en mêlée. On l'a tué en mêlée. Attendez, on va faire hop, hop, quoi que ça deux fois. Ok. On l'a tué en mêlée. Donc du coup, en gros, ça compterait comme si on l'aurait tué avec une balle. Donc on a tiré deux. Donc ouais, on a perdu une balle. On va dire. Allez, on va, hein, on essaye de. De relativiser, c'est pas très grave, c'est pas très grave, ça va, il y a pire, on aurait pu mourir, voilà, ça, c'est, voilà, moi je dis que chaque fois on peut penser comme ça, on aurait pu mourir, voilà, donc bon. Ok, très bien. En vêtements, qu'est-ce qu'on peut... Ah, ça encore, faut faire ça. Attends, on va mettre de l'eau. On va faire ça à 45 minutes. Allez, que ça passe. Ah, putain. Chut! Concentre-toi! Concentre-toi! Oh mon dieu quoi. En plus, c'était presque, hein. C'était presque. On perd du temps. C'est catastrophe. Ah, il fait meilleur. Ah, bah tiens, on va peut-être regarder vite fait aussi ce qu'on a récupéré là. Enfin, ce qu'on a trouvé. Boîte. J'aurais dû allumer une torche. J'aurais dû allumer une torche. Ça va, il fait assez jour quand même. C'est lumineux. Allez, avance. Je sais pas ce qui pourrait être intéressant de trouver, honnêtement. On va trouver une conserve. Ouais, ça, ouais. Ça, il faudrait les casser, ces boîtes-là. Il faudrait vraiment les casser. Qu'est-ce qu'on voudrait ici? Oh, c'est quoi ça? Oh, un jerrycan avec 0,94 dedans. Oh. Oh. Ça, c'est bien, ça. On a un litre de fuel en plus. Très, très bon. Surtout pour nous. Je pense qu'on est bon. Okay, très bien, 2 heures encore. Ça. Allez. Ça, c'est pas mal, le jerrycan en plus là. C'est vraiment pas mal.
vraiment, vraiment pas mal. Alors, ça c'est bien. 30 minutes. Eau potable, eau potable. Je crois qu'on a encore du... Ouais, on a encore du lapin à cuire. Très très bon. Voilà. Là déjà... Là honnêtement, je vais être honnête. Honnêtement. Soyons honnêtes. C'est déjà pas mal. C'est déjà un peu mieux. Hein. C'est déjà un tout petit peu mieux. 15 minutes. Très bien. Les 15 minutes, honnêtement, on va peut-être gagner genre 0,4 ou 0,5, un truc comme ça. Ou 0,1. Mais le truc... Putain, mais c'est pourri. Oh la vache, je pensais qu'on allait monter à 0,5. Enfin, le point important, c'est que ça monte de niveau. Voilà, c'est le point important. Hein. C'est que ça monte de niveau. Ça, par contre, ça va être long. Ouais, 45 minutes, ça, c'est les chaussettes en laine. Là, il nous faut du cuir. Le bonnet c'est 30 minutes. Ah, je crois que c'est une connerie, on va perdre le morceau de viande. Bon bah au final non. Lolilol, au final non. Très bien. Donc on part. Hop, pardon. Hop. Ça, j'ai pas envie de le manger. Ça, j'ai vraiment pas envie. On aurait dû le faire à la main. Okay. On va garder les lapins pour le moment. Parce que ça doit être long, ça, non? 1h40 à la main. Oui, il faut le faire à la main. Ouais, non, c'est trop long. On va pas le faire maintenant, ici, parce que ça sert à rien. On a encore 30 minutes de feu. Je voudrais bien dormir. Ah. 2 heures. Alors après, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller genre sur le loup et faire un feu? Puis en plus, on peut pas prendre un feu ici et le monter parce qu'on doit, faire de l'escalade. Donc je peux pas jeter la torche. La torche, ça va jamais passer. On n'a plus vraiment de bois sur nous pour faire du feu à côté du loup. Donc... Tiens, on a ça aussi. Donc du coup, ça va être compliqué de prendre la peau, par exemple. Parce que la peau sera intéressante, la peau de loup. Je sais pas. Je sais pas. On pourrait tenter, hein. J'ai envie de dire. Eau potable. Eau potable. Est-ce qu'on doit faire... Non, c'est pas ça. Ok, on en a encore pas mal. Je suis allé trop vite, apparemment. On pourrait... Ouais. Pourquoi pas. Oh, là, on est décalé l'un et l'autre. Là, ça, c'est relou, par contre. C'est très, très chiant. Eau potable, non potable... ça comme ça. Ok, alors il nous reste encore 1 heure. Il nous reste encore 1 heure. On a 6 litres d'eau, c'est largement trop.
Et j'avais dit que je voulais dormir. Bon, du coup, on va peut-être pas dormir. Enfin, si, mais une heure, une heure. On va dormir une heure. Et je crois qu'on va y aller, on va boire un truc chaud, là, et on va y aller. C'est un peu compliqué, tout ça. Faut toujours aller vite, faire gaffe. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça. On va voir si je peux prendre une... Ok, go. J'ai vérifié ça? Non. Ok, c'est rien du tout. Ok, voyons si... Oui, il y a le feu là aussi, je pourrais faire... on pourrait mettre un charbon. Pot de serre. On pourrait mettre un charbon. Oh mon dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je devrais vérifier en fait combien de temps il faut pour prendre la peau déjà. Oh mon dieu, et cette fois on va pas se louper. C'est fou ça. Cette fois on va faire le feu quoi. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tant mieux. Une heure. Allez, je l'ai la carcasse pour ça. Je suis pas trop sûr de ce que je suis en train de faire là. Est-ce que ça vaut le coup? Une heure. Allez, allez, faisons n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux que je vous dise, moi? Là, on est... Là, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, en fait. Je vais être honnête, je sais pas. On va faire ça. On en profite, c'est un feu gratuit. On a le charbon, non pas aussi. On... C'est pas vraiment quelque chose... ça aussi. 1h20, putain. 30 minutes. Le charbon, c'était... Voilà, c'est cadeau, donc on va l'utiliser. Hein. J'aurais bien voulu le mettre de côté, mais c'est pas grave. Vous avez vu, ça fume noir. Bizarre. Ouais. On a la peau. Bien. De toute façon, le plus qu'on fait, c'est bien. Plus on en fait, mieux c'est. Okay, très bien. Voilà, laisse tomber. Ah, c'est ça, ça par contre, ça c'est vraiment un gros problème de The Long Dark. C'est les murs invisibles. Les murs invisibles et tout ça. Parce qu'on voit que ça passe au-dessus. Mais le jeu a dit merde. Et du coup, on peut rien faire. Parce que là, j'aurais bien voulu en fait prendre une torche. La monter tout en haut pour prendre la peau du loup. On a bien tout pris. Que je merde pas. Ouais, on a tout. Ouais, là j'avoue que ça c'est chiant ça, c'est vraiment chiant ce système. Après s'il fait pas trop froid, on pourrait directement la prendre la peau. Ah non, on va geler sur place. Une heure. Putain, je vais geler, moi, non? Quoique... Oh la vache. Let's go.
Je vois strictement rien, il y a du brouillard. Lapin. Attrape-le avec tes mains. On perd pas mal de vie. On perd pas mal de vie. Pan pan. Mais on perd beaucoup de vie. Putain, je reconnais plus rien. On est où là? Mon dieu, je reconnais plus le chemin. Je vois pas devant en fait. Ok, on est bon. Ouais, donc là on rentre. Tout simplement, on rentre. Oh, j'ai pas vu que j'avais fait un saut. c'est un danger. Là-bas. Après, elle est quand même fatiguée. Donc on va pouvoir bien dormir. On va dormir le plus longtemps possible. Alors un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est revenir ici pour prendre le plus de lapins possible. Alors est-ce que ça pourrait être utile de faire ça? À la limite, on pourrait prendre déjà des peaux de lapins et des boyaux. Et peut-être faire des chapkas là et tout ça. Alors je suis en train de me demander, est-ce qu'il faut pas un couteau pour faire ça? Je crois qu'il faut des couteaux quand c'est des gros vêtements, si je dis pas de bêtises. Genre manteau et tout ça. Manteau en peau de cerf, en peau de loup et tout. Alors je pense que les chapkas et tout ça, il faut simplement des kits de couture ou alors... bah fil une aiguille quoi. Enfin un crochet. Donc je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Donc je crois que la prochaine fois on va refaire un tour et on va récupérer le plus de lapins possible. J'utiliserai le revolver, je m'en fous honnêtement. On tremble. J'utiliserai le revolver si besoin. Alors attendez, je veux pas me faire attraper par un loup. Non, on est bon. Ok, go, 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 go. Ah, ça, c'est le stress du loup qui rôde dans le coin. Parce que regardez, on a trois flammes, là. Enfin, odorat, là. On est au max. Donc, vous inquiétez pas que les loups, ils nous flairent de loin. Hein. Alors, avant qu'on se quitte, on va déjà faire ça. Alors, munitions. On en a 6. Donc, 16. On va en reprendre 4. D'abord, je on en a 21 revolvers et après on a le fusil. Ah, très bien. C'est bien comme ça, 20 de côté? Ouais, c'est bien quand même. C'est pas trop, c'est pas peu, j'ai envie de dire. Donc on a un jerrycan en plus, on a 3 jerrycans en tout, ce qui est vraiment bien. Mais merde, c'est plein. Ce qui est vraiment bien, on a boyau, on a nouvelle peau, on a quand même beaucoup de choses. On a oh, ouais, ok, on a quand même beaucoup de choses. Déjà, on a bien avancé sur nos skills. Genre la carcasse, on est presque au niveau 2, presque au niveau 2. La cuisine, on est presque au niveau 3. Le revolver, on a un peu avancé aussi. La couture, on a avancé aussi, ce qui est extrêmement chiant à monter à chaque fois. Les plumes. Le tissu. Le métal. On a encore ça à défaire.
On a encore de la viande à l'extérieur. Ok, très bien. Par contre, j'imagine que ouais, ça va être... Non, le boyau, c'est moins 1 avec la scie. Ça, c'est moins avec la main. Waouh, elle vient de bailler. Vous imaginez ça, elle vient de bailler? Elle vient de bailler. Ça, c'est bon. Je pense que je vais tous les dépecer et tout ça au max. De toute façon, on n'a rien à faire. On va pas faire un feu, on n'a pas assez. On va faire ça. Mais je veux déjà déposer toutes les peaux par terre. Et après, on va faire les boyaux. Les boyaux, on va les faire à la scie pour aller plus vite. De l'eau, on en a récupéré pas mal. Ça, c'est bien aussi. Là. On a fait beaucoup de thé. Ça, c'est bien. On a récupéré pas mal de nourriture au final, parce qu'on a mangé plein de lapins. Donc, c'est très bien. Voilà, très bien. Ouais, on va te faire à la main. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, le prochain épisode, je vais être honnête, je pense que... je pense chasse au lapin. Chasse au lapin. Alors, chasse au lapin au caillou, chasse au lapin au revolver, et on se prend pour revolver au slot. Je sais pas trop, honnêtement, je préférais chasse au revolver, parce que ça va être cool. Ça va être stylé. Et ce qui est bien, c'est que on récupère les lapins, donc ça fait un peu de viande. Ça fait un peu de viande, faut pas cracher sur ça. Ça va faire de la peau, et ça aussi. Ça va aussi beaucoup nous aider pour la récolte de carcasses, en fait. Parce que maintenant, on vient d'être au niveau 2. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Donc ça aussi, on va sûrement, avec tous les lapins qu'il y a là-haut, on va sûrement pouvoir être genre au niveau 2,5 ou peut-être même 3, peut-être. Donc voilà, ça va être cool. Et en second temps, donc un peu plus tard, ça va nous permettre... Par contre, l'été, j'en ai un peu trop. Ça va nous permettre aussi de faire le bonnet et les gants. On va mettre ça. Ça va nous permettre de faire ça aussi. Donc, ouais, c'est... Honnêtement, ouais, non, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'aller faire du lapin, là. Je vais prendre un peu de viande, là, sur le sol. Non, ouais, non, ça vaut le coup. On va faire ça la prochaine fois. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre. On a encore deux steaks. Ah, il fait moins froid, par contre, hein, vous avez vu. Alors, je sais pas si c'est parce que le temps est un peu moins froid, mais je pense aussi que les vêtements, là, le fait d'avoir pu les coudre, ça, c'est bien, là, ce qu'on a fait. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que d'avoir la chapka et les gants en peau de lapin, ce serait vraiment cool. Ah oui, c'est vrai qu'il faut les crafter dans un truc. Mais c'est pas grave, on les craftera là-haut. C'est pas grave. 3h et 5h. Ouais, non, c'est très bien. On les craftera ou à la ferme qui est en face, ou là-haut, là-haut. Je dirais là-haut, comme ça c'est plus sûr, parce que c'est dans un bâtiment. Ouais, non, 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 ça va être bien. Oh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça va être bien, ça va être bien, je suis content. Ça va être très bien, même. Ça, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce qu'on le mange, est-ce qu'on le mange pas, j'en sais rien, honnêtement. Voilà, très bien. Et on va dormir le plus possible. Merci infiniment d'avoir regardé. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va faire des lapins. Et ça dépend comment ça se passe. On fera que des lapins ou alors on fera un peu plus. Mais je pense que Milton est plus ou moins fini. Je vais être honnête, je pense qu'on est arrivé un peu à la fin de Milton. On y reviendra plus tard, évidemment, quand on sera beaucoup mieux équipé. Mais pour le moment, je crois qu'on a fait les plus gros endroits principaux de Milton qui peuvent donner des gros objets. Alors peut-être vers... La station service, il reste encore des choses, mais je crois pas vraiment, honnêtement. Donc, je crois qu'on va pouvoir rentrer et peut-être faire l'autoroute côtière. L'autoroute côtière.
Mais bon, ça sera plus tard. D'abord, la chasse au lapin la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez une bonne journée. Enfin, ce que vous voulez. Et à la prochaine. Ciao, ciao.